deuxième exposition de haies chez vous. C'est oui. Sympa. Est-ce que à chaque fois c'est... Mais la première fois, évidemment, c'était la première fois. Bah oui. Cette fois, c'est la dernière fois. Donc, et puis, il y avait au milieu. Donc, c'est une trilogie. Donc, pourquoi une trilogie ? Est-ce que c'était voulu dès le départ ? C'était pressenti dès le départ comme une trilogie. En tout cas, ça ne serait pas qu'une seule exposition. Parce que la première exposition qui réunissait aussi beaucoup d'artistes, c'était la première fois que ce type d'art, cet univers... était montré, tout le monde connaissait la revue, mais enfin la revue était quand même assez connue, mais on n'avait pas forcément encore vu les œuvres qui étaient présentées dans la revue, et certains artistes étaient vraiment des découvertes, et c'est la première fois qu'ils étaient montrés. Donc quand on commence ce genre d'entreprise, on se rend compte très vite que la prospection est infinie. On voit à la fin de l'exposition, on ne voit plus ce que l'on a montré, mais on voit tout ce que l'on n'a pas montré qui est encore à découvrir et à faire découvrir. Donc la deuxième et la troisième exposition, c'était ne pas être exhaustif parce qu'on ne peut pas l'être, mais c'était de prolonger cette expérience, cette aventure. Et toute aventure, évidemment, doit passer après à autre chose. Donc avec elle, la collaboration, le partage, c'est une longue amitié aussi. Ce n'est pas un travail, c'est vraiment une amitié. On partage des univers, on partage un sens commun de l'approche non seulement de l'art, des œuvres, mais aussi de la vie et du monde. Donc ça se déplacera sur d'autres territoires, mais ça continuera. C'est passé par des expositions, ça passera par d'autres choses. Et c'est ça qui était important, c'est de faire partager, de faire passer un message à travers des œuvres d'art et de partager des univers artistiques avec un public qui n'a pas forcément l'occasion de le voir. Plus, je crois, si je ne me trompe pas, qu'ensuite il va y avoir des expositions personnelles qui vont être présentées en bas pour accompagner cette grande exposition. Oui, à la galerie, on travaille aussi avec Arts Factory qui fait un travail autour de l'édition du livre passionnant depuis des années. Ils étaient dans le 18e, maintenant ils sont dans le 11e arrondissement. Donc c'est aussi d'accompagner des découvertes de façon plus ponctuelle, c'est-à-dire tous les mois. Voilà, donc c'est pendant 6 mois, on va vivre à l'heure de la pop culture. Et aussi, pour nous, ce qui était important, c'est d'associer l'univers de Haye à l'univers de la Halle Saint-Pierre, c'est-à-dire Haye à ses prospections, nous avons les nôtres, elles se croisent, et de montrer aussi ce croisement. Donc là, derrière moi, il y a Gilbert Père, à qui nous avons consacré une exposition en 2000. Et c'est un artiste phare pour nous, parce qu'on a aidé à le faire connaître. Non seulement on croit en lui, mais on se retrouve dans son univers. C'est un univers très poétique, c'est l'univers un peu des jeux de la... Comment dire, c'est le côté perdu de l'adulte que l'on retrouve chez lui. C'est ce rapport au jeu, ce rapport à la poésie du quotidien, la poésie des objets délaissés, des objets jetés, qui va réanimer, redonner une autre vie. Donc pour nous, on se retrouve tout à fait dans cette poésie. Là, et on le suit depuis des années, et on l'avait montré aussi dans E2, ou dans E1, je ne sais plus, parce que pour moi ça fait qu'un, ces trois expositions. Donc la fabuloserie avec qui on travaille régulièrement, qui est ce lieu magique hors norme en Bourgogne. La première exposition qu'on a faite ici en 1995, on a présenté une partie de la collection d'Alain et Caroline Bourbonnais. Donc chaque fois qu'on a l'occasion de montrer aussi cet art hors les normes, nous le faisons. Là, on l'a fait, il y a les œuvres d'Alain Bourbonnais lui-même, qui était collectionneur, architecte et artiste. Il y a les œuvres aussi de Francis Marshall, qui sont à la fabuloserie. Les œuvres de Joël Négri, qui a été montrée il y a 25 ans ici, et qu'on n'a plus revu depuis. C'est rare de dire qu'un artiste, bon, il est passé totalement à autre chose, mais ses œuvres... Son héritage artistique, son patrimoine à lui, artistique, n'est montré nulle part, uniquement dans un lieu. Donc là, c'était l'occasion. Les petites pièces, les petites scénettes d'Albert Salé qui sont allumées, vous savez, c'est des petites scènes de la vie, enfin, un art très populaire qui ne sont jamais montrées. C'était aussi l'occasion d'associer la culture souterraine, underground, cette pop culture, à de l'art populaire plus historique. De montrer qu'il y a une veine commune là-dedans. Donc c'est une préparation ensemble. Oui, vous oui, avez oui. Choisi les artistes ensemble. Il y a des artistes qui sont proprement Haye, c'est la marque de fabrique d'Haye, c'est leur univers, c'est leur découverte. Il y a des artistes qui sont la marque de la Halle Saint-Pierre, c'est-à-dire
les artistes suivis par la Halle Saint-Pierre, et puis il y a les rencontres en commun. Voilà, c'était ça qui était intéressant, c'est de faire se croiser deux univers. Et puis ce à quoi je tiens beaucoup, c'est garder cette âme de la Halle Saint-Pierre. Voilà, si on a quelque chose ici, si on n'a pas de collection, on a mieux qu'une collection, on a une âme. Quai Branly, ça a été une grande expo de vulgarisation historique. Il y a eu les spectacles aussi. Mmh. Alors, quel ressenti as-tu après tout ça? Parce que bon, il y a un retour. Après le Quai Branly? Ouais. Le Quai Branly, c'était une exposition qui était plus à la fois ethnographique, sociologique, mais où nous, on a inséré de l'art, bien sûr, et de façon très très forte, très très importante, puisque c'était aussi démontré. Que la présence en fait du phénomène artistique dans le tatouage depuis l'Antiquité, donc c'était un des buts, et de montrer que ce courant était un courant très très fort et qu'il avait son émergence en fait avait généré aussi d'autres formes de graphisme et d'art. Ici, quand on est à la Halle Saint-Pierre, on est dans une autre dynamique en fait, puisque là on est vraiment que sur une expo d'art. Tout à fait. Voilà. Et où on représente sur un même espace des courants qu'on adore, qu'on soutient, etc., mais qui n'ont pas les mêmes formes d'expression. Alors que sur le tatouage, toutes les expressions étaient communes, en fait. Voilà. Donc là, c'est vraiment une grande diversité. Et 62 artistes sont représentés, c'est ça ? Il y a 62 artistes, il y a environ 400 œuvres, ouais. Environ en fait il y a 401 œuvres, voilà qui sont ici. C'est une exposition comme celle-ci à la Saint-Pierre, en fait c'est la façon de c'est ce que le travail de la revue, ce qu'elle fait émerger en fait, en termes à la fois d'artistes, à la fois de courants et de précision de courants. Voilà. Donc c'est depuis 2010 que vous sortez cette revue. Voilà, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Ouais. Beaucoup plus longtemps bien sûr qu'on s'intéresse à tous ces courants de fait, quoi. Mais voilà, donc c'est l'occasion aussi pour nous de montrer en fait cette mixité par le rassemblement, c'est-à-dire d'avoir des gens qui viennent vraiment du monde entier pour le coup, mm-hmm. et dont on voit en fait les connivences, les traits communs et la façon dont picturalement, d'une façon graphique, artistique et de la main, quoi. Hein, la façon dont ils rentrent, ils voguent vers la même direction avec nous. Donc nous, on prend le bateau, puis on le pousse. Quoi, hein, tout à fait. Résistance par l'imaginaire, oui. Oui. C'est une grande ligne de haie depuis le départ. C'est-à-dire que nous, on pense en fait que une des fonctions de l'art, en fait, hein, c'est de nous emmener, de nous faire basculer dans un monde autre que le nôtre. C'est le métier quand on rencontre un peintre, un univers, ou ça peut être pour un livre, pour un film. Hein. Et aujourd'hui, c'est un des modes d'action en fait qui permet en fait de nous laisser imaginer. C'est-à-dire que c'est quand même un mode d'action où on n'est plus confronté à tous les parasites extérieurs. Là, le rapport à une peinture, c'est un rapport extrêmement frontal, naturel et en même temps de cœur. Donc toute la résistance par rapport aux images imposées, mm-hmm. hein, existe aujourd'hui dans le cadre de développement d'artistes, c'est-à-dire même ce rapport à l'image imposée sont des questionnements. Et nous, on pense que l'imaginaire, en fait, permet de casser en fait la frontière qu'il y a entre l'œuvre et le spectateur. D'accord. Et donc, il n'y a plus cette dualité entre le moment où on se met devant un tableau et le moment où on le reçoit. Et tout le cadre des expos de haie, en fait, on n'est pas dogmatique ni très didactique dans la façon dont on va appréhender un parcours, alors que le parcours est quand même très réfléchi, mais on ne donne pas les clés. Parce qu'on pense que les clés sont naturelles chez tout le monde. D'accord. Voilà. Donc il y a une résistance effectivement à ce qu'est la mode, à ce qu'est l'événementiel, à ce qu'est ce qu'on voudrait nous faire regarder ou pas regarder. Et donc nous, on se place là-dessus. Et la force de cette résistance, c'est l'imaginaire des artistes. D'accord. Donc j'ai retenu aussi, c'est un regard à l'état sauvage. Tous les gens qu'on présente ici, je crois qu'ils en sont la preuve manifeste, hein, quel que soit le pays du monde où ils habitent et où ils vivent et où ils travaillent, en fait, il y a quand même un rapport très radical, hein, à la peinture même, à la façon dont ils vont faire passer leur travail d'auteur, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans la tête. Mais surtout, ils s'inscrivent aussi dans un courant qui, pour certains, pas pour tous, hein, mais qui est toujours un chemin de traverse. Hein. Donc cette radicalité, elle est aussi dans le choix de vie de l'artiste, de suivre un chemin très très clair, qui ne soit pas dans la mode, dans le marché. On est avec des gens qui sont comme ça,
franchement, à 99%, 99%, c'est tout le temps comme ça. D'accord. Alors là, tu nous as emmené devant le travail de la sœur. Tu peux nous dire un mot sur justement les réactions que provoque ce travail chez toi? Je ne sais pas encore. On verra. Chez moi. Qu'est-ce qui nous a séduit? Moi, j'adore le travail de Ludovic. Ce travail-là, je le connais depuis assez longtemps. Ouais. On avait envie de le montrer, mais on ne savait pas comment le montrer, en fait. Voilà. Donc, on lui a donné une carte blanche. Voilà. Et on lui a dit, voilà ton espace, travaille comme tu veux. Ludovic, c'est aussi quelqu'un qui est éditeur, qui fait des petits livres, qui travaille avec des peintres depuis longtemps et qui a ce travail en parallèle, voilà, de poupées ou d'hommes viande. Et côté radicalité, on y est, non? Tout à fait, oui, non, c'est pour ça. Et spectacle, alors toujours aussi un spectacle en route? Alors voilà, on va jouer 10 jours à Paris, là, notre dernière création qui s'appelle On a volé le bras de Constantinus, ouais. Qui est Constantinus, un peu le Elvis Presley du tatouage au 19e siècle, voilà. Et on a monté toute une fiction autour de lui, avec des points d'ancrage qui sont des réalités de sa vie objective et puis de notre vie à nous. Voilà, d'accord. Comme d'hab. Hein. Ouais, voilà. Rappelle-nous les dates. On va jouer à partir du 21 octobre au Cercle Électrique jusqu'au 1er novembre avec un petit festival entre. D'accord. Cercle Électrique, et comme tout le monde sait, la pandémie. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie. Bravo à toi et Anne, parce qu'à chaque fois, vous faites un boulot fantastique. Amusez-vous bien, prenez-en plein les yeux. Et à bientôt. Merci. Vous travaillez ensemble depuis longtemps ou... Oui, on travaille ensemble depuis l'an 2002-2003. On travaillait seuls, nous sommes artistes, mais quand on nous connaît, on commence à travailler ensemble avec la broderie et la porcelaine aussi. Porcelaine également. Oui. Ici, vous avez choisi de présenter ces tapisseries. C'est le terme ou c'est pas le terme? Non, pas le terme de la tapisserie, c'est la broderie. La broderie. Mais la broderie. On pense que nous sommes peinteurs. D'accord. Mais on fait la peinture avec la broderie. Donc peinture, broderie. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Oui. Alors, vous mettez en scène aussi. Oui. Alors, c'est les thèmes que vous choisissez à chaque fois, vous en discutez ensemble. Comment ça se met en place? Et quieres répondre? Non. Quand on commence un travail, on discute beaucoup, on parle beaucoup avec l'idée et on commence à faire comme la peinture, on commence à broder comme la peinture. Nous n'avons pas l'idée de comment faire avant le travail. D'accord. On parle beaucoup parce que les tomes que vous voulez pour faire un broder, c'est beaucoup. Oui. Donc nous avons beaucoup de temps pour, pendant un travail, on peut parler beaucoup. D'accord. Vous partez quand même de dessin à la base et vous brodez sur le dessin ou vous brodez directement? On commence avec le dessin. D'accord. Mais avant le dessin, on fait de la photographie et le Photoshop. Et on travaille ensemble avec de la photographie et de Photoshop. Et comme ça, nous avons l'idée de ce qu'on va faire. Et on commence à faire le travail, on commence à dessiner. D'accord. Et après à broder sans savoir exactement la couleur qu'on va utiliser. Ah, d'accord. Les couleurs, ça vient après? Oui. D'accord. Parce que quelquefois, on prépare un dessin et puis on sait déjà les couleurs qu'on va mettre en place. Non. Mais là, ça vient après. Oui. D'accord. C'est comme la peinture. Pour c'est, moi. C'est la même chose que la peinture. C'est la peinture. Oui. Parce que nous avons la formation de la peinture et nous traduire notre knowledge dans les broderies. Oui, ok. Donc vous avez tous les deux une formation beaux-arts. Oui, d'accord. Oui. Mais c'était drôle parce que nous avons la formation dans l'école de beaux-arts. Pendant 10 ans, je suis licencié en art, blablabla. Et ma classe, j'ai appris à faire la broderie dans la rue parce que quand je suis allé acheter des fils d'étoiles, j'ai demandé à la femme qui vend le matériel de comment faire quelque chose, comment faire avec le point. Et Daniel? In my case, I
became to embroider when I was child. Ah, because, petit déjà, oui, oui. Parce que j'étudiais dans l'école de, avec Nan. D'accord. Ah oui, à l'école. C'est vrai que ça se faisait ça, on a appris. Moi aussi, j'ai appris. Ah oui. Oui, bah oui, tout le monde a appris. Alors là, les thèmes, vous avez sélectionné trois thèmes, je pense, trois toiles pour oui. venir ici. Oui. Mais vous faites aussi de la porcelaine, des choses comme ça aussi. Oui, parce qu'on fait des. Notre concept, notre idée de travail, c'est avec. Tout le travail féminin et on travaille dans ces sujets et aussi les sujets de la famille gay dans notre société. Donc, vous accaparez les tendances féminines, oui. les travaux oui, de maison, comme vous oui, dites. Oui, hein, oui, c'est oui. ça et on fait chez nous des travaux voilà, aussi dans les aussi notre sujet de la représentation de familiale de la famille non, avec notre chien qui s'appelle Piolin ah, et toujours ah, si toujours on apparaît dans notre travail c'est dans notre famille si, voilà. si, si. C'est tous les temps nous sommes les protagonistes de notre travail d'accord. de l'image super alors là c'est foisonnant de couleurs, là, c'est l'Argentine avec les oui, oui, les l'Amérique latine. Oui, oui, c'est, ouais. si, si, c'est pareil à du nord de l'Argentine, que c'était coloré. Et les tatouages des Indiens les tatouages, c'est généralement, sont appartenant belong to the different kind of aborigines of Latin America. Les aborigènes, oui. les tatouages aborigènes. Yeah. D'accord. Oui, parce que yes. Maintenant, c'est changé un peu la décoration masculine. Tout à fait. Beaucoup de tatouages. Oui, chez, oui. Chez oui. Okay. Merci beaucoup. Oh, merci c'est à vous. Très gentil d'avoir répondu okay. à nos questions. Merci. So, you are from the Brazilian side. You can see. Tell us a little bit more about the choice. Well, for me, bears are the iconic stuffed animal. They're both the toy that we have as from a child. You know, when you're feeling scared and frightened, they're your best friend. Mm-hmm. And they are the iconic taxidermy trophy. Mm-hmm. So that you, you know, in English, they're both called stuffed animals. Mm-hmm. So it's kind of a play on the both kinds. Okay. So, vous êtes... passionné par les animaux, vous aimez les ours petits, grands, les jouets qui rassurent et qui font peur, et c'est aussi le travail des taxidermistes. So your work is between a toy and taxidermy. Mm-hmm. I want to walk that line. Mélanger les deux pour obtenir ces superbes ours. Okay. Is it a long time to realize such an animal? Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps pour faire de telles expériences? On. What? One year. Une année. Une année, okay. So you present 1, 2, 3, 4, 4. Yeah. 4. It's all the beers? No, I suppose you have other beers. No, this is all of them. All it's of a them? New. It's a new body of work for me. Okay. I have another one started at home, mm-hmm. but I build the maquette, I make paintings, I embroider samples uh-huh. to find the color and the stitches, and I spend months planning, and then maybe 9-10 months building it. Okay, so it's a story between these four beers? I mean, they're all North American. Yes. And I tend to, I like, when I work with the species, I like to work with all of them. Okay. Donc vous avez préparé ces quatre jours, mais dans la même période, vous avez fait des petites maquettes, préparé les ours eux-mêmes, préparé les vêtements. Et assembler le tout et durant un an. Okay? Four together with all the part of this beers. And now you are preparing a new series? I'm working on a giant panda. It's a giant panda.
Panda. Sur les pandas. So, but this one I'm going to do Grand. So he will be about this tall. Oh, this. Yeah. De cette taille-là, ils sont. Okay. Thank you very much. Thank you.